Le Seigneur Jésus-Christ avec des cris de joie. Nous accueillons nos bien-aimés parents, le couple Meunier. Acclamons très fort Jésus-Christ. Ils vont entrer majestueusement et ils vont prendre place. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci infiniment. Bienvenue à chacun de nous. Bienvenue encore à tous les missionnaires. Merci pour l'effort que vous avez fait d'être là. Merci pour votre présence. Chacun de nous est magnifiquement vêtu pour donner une certaine coloration à cette fête. Ça montre l'intérêt qu'on porte à cet événement. Merci pour votre présence. Nous saluons nos parents qui viennent de s'installer. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous recevoir. Pendant qu'ils sont arrivés, tout à l'heure, il aura le mot du directeur des missions à la personne du pasteur Thio Kinyelman. Et après cela, nous allons donner la parole à nos parents qui vont nous dire quelque chose. Et ensuite, il aura la bénédiction du repas et il aura le service, le repas. Et après ça, nous aurons les réjouissances, les danses, les chansons. Nous sommes à notre traditionnelle réception que nous donnent nos parents, le couple Meunier. Depuis quelques années, Dieu nous a bénis. Après la retraite annuelle des missionnaires qui se fait chaque début d'année, chaque mois de janvier, nous achevons cela par une réception ici chez les parents qui nous font l'honneur de nous recevoir pour qu'on partage un repas en famille. Juste le temps de nous ressourcer, de nous rapprocher, de nous réjouir. C'est dans ce cadre-là que, encore cette année, en cette année de janvier 2024, nous nous sommes retrouvés. Nous bénissons le Seigneur qui rend cela possible et qui a établi cela vraiment comme une tradition. Sans plus tarder, comme je l'avais annoncé, je vais céder le micro au pasteur Thio Kinyelman. Nous allons l'accueillir avec des ovations. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bonsoir, chers parents.
Bonsoir, chers collègues. Soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de nous retrouver chez nos parents ici. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ici la résidence des Meuniers. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur qui nous a encore bénis et nous a permis de passer une année entière en champ de mission. Je voudrais rappeler que nous étions au total 425 missionnaires nationaux. Il y a un qui vient de nous devancer auprès du Père. Donc nous sommes 424 missionnaires nationaux répartis sur 170 champs de mission. Le Seigneur nous a accompagnés pendant toute l'année 2023 et nous avons travaillé. Il était maintenant question que nous venions pour notre traditionnelle retraite. Et c'était la sixième retraite avec notre père, avec nos parents. Dieu a été très bon et nous avons passé de bons moments ensemble. Pour ce soir, nous voulons dire particulièrement merci à nos parents, le couple Meunier, pour leur dire grand merci pour l'honneur et le privilège qu'ils nous ont accordé de servir le Seigneur auprès d'eux. Nous leur disons merci pour leur prière et nous leur disons merci pour avoir accepté à nous donner les orientations à combattre avec nous sur les champs de mission. Tous ces résultats que nous avons eus, c'est grâce à leur directive qu'ils nous ont donnée. Donc, nous leur disons grand merci pour tous leurs conseils, leurs prières, leurs orientations et leurs messages que nous avons prêchés dans nos églises et les sujets de prière que nous avons utilisés pour mener nos batailles. Nous voulons ce soir les rassurer, rassurer papa et maman, que nous sommes confiants que nous avons réussi. Avant, nous tremblions quand nous allons en champ de mission. Mais vous avez dû constater la sérénité qu'il y avait dans les comptes rendus. Les missionnaires sont rassurés, ils sont vraiment rassurés qu'ils vont réussir auprès de vous. Et hier, le pasteur Théo nous a fort étonnés en égrenant tous les détails. Vous comprenez que au milieu des missionnaires, il y a les faiseurs d'histoire. Alléluia. Donc nous sommes venus ce soir pour dire que nous vous renouvelons nos sentiments. Nous vous disons, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là à vos côtés. Et nous allons vous aider à soumettre la Côte d'Ivoire aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, les départements sont déjà couverts, toutes les régions, nos missionnaires sont déjà dans toutes les régions, tous nos départements sont déjà couverts et il ne reste que quelques sous-préfectures, notamment au nord et les villages. Actuellement, donc nous voulons rassurer nos parents que nous sommes très confiants quand nous sommes à leur côté et nous savons que
la victoire est totale. La victoire, non seulement elle est possible, mais elle est totale. Totale pour nous. Donc, pendant que nous sommes en train de finir la sixième retraite, nous voulons rassurer notre père, notre mère, que nous sommes confiants et nous allons pour combattre et leur promettre que l'année prochaine, les résultats seront meilleurs. Amen. Meilleurs que cette année. Sur ce, nous voulons dire merci à tous nos collègues qui ont été avec nous. C'est vrai qu'on n'a pas pu visiter tous les champs de mission, mais la main du Seigneur a été avec nous. Donc soyons très encouragés et nos parents prient pour nous. Alléluia. Nos parents prient pour nous. Et ils comptent sur nous. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants au Seigneur pour cette belle fête, ce moment de réjouissance. Papa a vu comment, maman a vu comment les frères étaient en train de danser déjà. Quand ils voient le décor, en tout cas, ça montre que il y a de bonnes choses qui s'annoncent. Donc, nous voulons dire merci, finir nos propos pour dire grand merci au Seigneur qui a rendu tout cela possible. Merci à nos parents, merci à tous nos collaborateurs, merci aux partenaires d'Abidjan, aux frères d'Abidjan qui ont prié pour nous dans les chambres de prière et qui nous donnent également certains des collaborateurs du pasteur Ménier nous ont offert des motos, nous donnent de l'argent. Et vraiment, dire merci et vraiment vos collaborateurs s'occupent bien de nous et nous accueillent bien, vous pouvez être rassurés. On nous accueille bien et ils s'occupent bien de nous. C'est parfois les moyens qui ne sont pas, mais quand tu vois comment on nous accueille, comment on fait, tu sens que les frères veulent vraiment nous aider à avancer. Donc nous te disons merci à maman et que Dieu veille encore sur nous pour les 12 mois que nous venons de commencer. Amen. Amen. Oui, acclamons très fort encore, très fort, très fort. Merci au pasteur Thio qui, au nom de tous les missionnaires réunis, a adressé un mot aux parents. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais me diriger vers les parents. Je vais leur donner le micro. Carole. La sœur Carole demandait. Je vais vous adresser un chant. Je crois que Carole va m'aider. J'ai eu le privilège d'être en contact avec une des tout premiers semeurs. Il y a une qui s'est donné le travail de m'envoyer souvent des chants qu'on veut déjà oublier. J'espère que je suis... Jour après jour, l'espoir s'accroît. J'ai cru en Jésus un jour, un bien tellement précieux. L'amour, l'amour, l'amour. Et oui, moi j'ai le cœur en joie. Et oui, moi j'ai le cœur en joie. Jour après jour, l'espoir s'accroît. Car j'ai trouvé en Jésus un jour, un bien tellement précieux. L'amour, l'amour, l'amour. Moi aussi, ami, je l'ai trouvé. Ce trésor immense m'est caché. Le jour où j'ai ouvert tout mon cœur à Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est de cet amour qui m'a rempli. Qui le veut, il donne la vie. Même ne plus désespérer, son bras tout puissant peut le relever. Sûr, c'est sûr, son amour, son sang versé
cœur. Quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, il triomphera. Je suis sûr, quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, il triomphera. Quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr, quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr, c'est sûr, le son d'amour. Son sang versé me parle d'amour. Je suis sûr, c'est sûr, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui donne mon cœur. Alléluia. C'est le chant de mon cœur ce soir pour chacun d'entre vous. Au niveau humain, essayez de dire ce que le Seigneur est en train de dire à chacun de vous. Au niveau humain, essayez d'exprimer ce que le Seigneur est en train d'exprimer à chacun de vous. Et vous rassurez que le Seigneur à nos côtés, nous pouvons être dans le repos. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de compter tes cuillères de riz. Tu peux te servir autant que tu peux contenir. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a du porc braisé. Il y a du mouton braisé, cabri braisé. Il y a un peu de ndolet. Il y a le mets de pistache. On a essayé de se mélanger. On allait un peu au Cameroun et puis on est revenu. Il y a de la teke au poisson braisé, au poulet braisé. Il y a une entrée familiale. Il y a un peu de taro avec la sauce jaune. Il y a la soupe aux tripes. Il y a le héros. Il y a une quantité, une énorme. Vous savez que c'est la saison de la bar. Il n'y aura pas d'aloco, mais il y a clac-clo. Il n'y aura pas d'aloco, mais il y a du clac-clo en abondance. Et puis il y a une grosse marmite de tchèp. Tchèp au poisson, thon blanc. Si tu ne veux pas le thon blanc, tu vas demander un morceau de poisson dans le poisson braisé et tu seras servi. Bienvenue, tout à l'heure, bon appétit. Je passe la parole à papa. On acclame pour Jésus-Christ. On pousse des grands cris de joie. J'ai déjà dit à plusieurs frères qu'un jour, nous aurons un film ayant pour titre « La conquête est une réalité ». Là où tu es, tu es.
Les choses réelles ont une existence et une essence. Et elles ont une culture, elles ont des traditions. Donc, elles écrivent leur histoire. Et nous sommes en train d'exister, de vivre, d'être, d'agir, de travailler. Donc, nous sommes réels. Nous sommes. Alléluia. Amen. En mangeant, par causer avec les frères. Dieu dit que la conquête est une réalité. Amen. C'est elle qui nous rassemble ici. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Une sœur avait eu une vision. L'évangile avait atteint le sommet, au sens propre, le sommet de la nation. Et les gens se demandaient, mais comment cela a-t-il pu se faire? Et quelqu'un leur a dit, pourquoi avez-vous d'abord laissé commencer? C'est fini. Avançons. L'évangile prospère. L'évangile avance. L'évangile porte du fruit. Donc nous allons bénir tout ce qui sera pris ce soir. Et nous allons le faire avec des cœurs remplis de joie. La conquête est une réalité. Quand tu poses un pied sur un territoire, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Et la promesse qui a dit que tout lieu que tu vas fouler de ton pied t'appartient, c'est accompli. Le reste, c'est une question de jour. Quand tu poses ton pied, c'est fini. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons posé le pied ici en 97. Sur cette terre-là, il y avait un baobab, il y avait un ravin. Tu entres dans le ravin, tu sors. Et puis il y avait le manioc. Mais nous avons foulé. Voilà, ça devient lieu de rassemblement et de dîner. Que le Seigneur soit béni. Quand tu entres dans une maison, tu poses ton pied, tu dis, cette maison m'appartient. Tu parles avec sagesse. Parce que certains ne savent pas parler avec sagesse. Ils disent que, dès qu'ils regardent, ils disent, ça là, c'est pour moi. Et la guerre commence. Tu poses le pied, tu dis, j'ai foulé, ça m'appartient. Quand tu restes en rêvassant, ton esprit en prière, quand on te demande c'est quoi, tu dis non, c'est bon. Tu as déjà fini. Alléluia. Amen. La conquête est une réalité. Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur notre Père, bénis tout ce qui sera consommé. Bénis ce qui a été apprêté. Sanctifie-le. Et permet que pendant que nous le partageons, que la vraie histoire soit écrite dans nos cœurs. Le message spirituel de ce que nous sommes en train de faire, qu'il soit écrit dans nos cœurs. Donne-nous la révélation de chaque frère. Révèle-nous le corps qui est constitué de cette manière. Permet que l'encouragement remplisse les cœurs. Que personne ne s'estime faible à cause de la région dans laquelle il a été affecté. Parce que tous les fruits sont utiles. Tous les talents sont utiles. Celui qui en a eu 5, celui qui en a eu 3, celui qui en a eu 2, celui qui en a eu 1. Ils sont tous égaux à tes yeux. Et que leur travail soit béni. Et que leurs fruits demeurent. Et que le nom de notre Père soit exalté et glorifié dans les cieux. Amen. Amen.
Acclamons très fort. Oui, avec des cris de joie. Voilà le décor qui est planté, les paroles données. Que le Seigneur nous bénisse. Je remercie les parents. Je remercie le directeur. Merci pour ces paroles qui vont droit dans nos cœurs. Permettez, le directeur a quelque chose à dire. Gloire à Dieu. Je dis merci beaucoup aux parents et dis merci beaucoup aux collègues. Je vous ai déjà dit que quand le pasteur Meunier partait dans les champs de mission, en ce moment il s'habillait en saérienne. Dès qu'il finit d'enseigner, sa saérienne restait toujours là-bas. Et il donnait toujours. Et maman Colette, elle nous a conquis avec ses beignets soufflés. Alléluia. Les parents ont la main facile. Dès que vous arrivez chez eux, ils cherchent toujours qu'est-ce qu'ils vont vous donner. Ils ont gardé cette manière de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand nous arrivons à la maison, ils fouillent, ils voient. Cette chaussure-là peut aller, vous voyez comment je suis chaussée. Cette chaussure-là peut aller avec qui? Et ils donnent. Alléluia. Ils ont l'habitude de nous donner. Donc, si tu vois maman donner quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas que lui, il a plus travaillé que toi. Non, elle peut regarder, ou bien papa peut regarder que ça, là, ça peut aller tel frère, on donne. Alléluia. Ils ont, c'est leur largesse qu'ils expriment. Ce n'est pas qu'ils ont fait catégorie par catégorie. Alléluia. Donc, soyons très simples. Si la main de maman ou papa tombe sur quelque chose, il te donne, tu te réjouis. Si tu n'as rien eu, tu rends grâce à Dieu pour ton frère qui a eu. Ça, si on donne à un frère, c'est sûr que son pied va flotter dedans. Alléluia. Donc, soyons très relax, comme les parents l'ont dit. Et je voudrais vous dire merci. Allons-y avec joie, faisons la conquête comme les parents l'ont dit. Donc c'est cette partie-là que je voudrais préciser. Ce n'est pas des cadeaux faits vraiment pour qu'on précise que pour l'autre. Mais c'est des choses que les parents donnent. C'est comme ça, ils expriment leur reconnaissance au Seigneur pour bénir leurs enfants que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Du côté de l'exploration, on me signale qu'elles sont déjà prêtes. Donc le service va commencer. Donc, mange en étant heureux, en causant avec ton frère, comme nous avons reçu l'instruction. Sois libéré. Et le Seigneur Jésus-Christ va te bénir. Donc nous recevons les instructions par rapport au service. J'attends que Tata Marty vienne pour nous donner les directives, comment va se passer le service. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-nous comment, qu'est-ce que chacun doit faire pour pouvoir bien manger. À quoi on va s'attendre? Et puis est-ce qu'on doit se déplacer? Est-ce qu'on doit rester sur place? Qu'est-ce qu'on doit faire? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et vous restez sur vos, à vos places et la nourriture viendra à vous. Les serveurs viennent servir de table en table. Donc vous restez assis. Ils vont passer prendre vos commandes et vous serez servis. Bon appétit. C'est bon. S'il nous faut prier comme George Miller, que l'exemple.
faut prier comme George Miller. Chez vous, la gloire du Seigneur est avec vous. La régie, on peut continuer. Et tout à l'heure, c'est les frères qui se sont signalés. Le pasteur Romenet se prépare pour venir nous rendre ministère. S'il est prêt, il est prêt. D'accord, la régie, un instant. Nous allons demander au pasteur Romenet au Péri, notre missionnaire dans le Grand Nord, dans le district des Savannes, qui va venir. Comme il sait si bien le faire, avec sa guitare, nous fredonner quelque chose. Amos 4:12 est la parole du Seigneur. Amos 4:12 est la parole. Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. 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 Sur le champ de mission, il te faut prendre courage dans les combats. Ô missionnaire, prends courage, il y aura toujours des épreuves, des persécutions, dans la douleur, oh oui. Regarde à Jésus, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi oh, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-nous à la rencontre de notre Dieu. Prépare-nous à la rencontre de notre Dieu. C'est par la prière que nous aurons la victoire. N'oublions pas l'intercession, le jeûne, le sacrifice. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ensemble, prépare-toi, tu t'as vu de manger, bien sûr, à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-nous à
la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Le dernier. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Sur le champ de mission, il est toujours là pour me soutenir. Je dis merci, merci au Sauveur. Merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Il m'a cherché, il m'a retrouvé. J'étais perdu, il m'a délivré, je suis sauvé. Il m'a choisi, il m'a établi, il m'a envoyé aller conquérir. Je dis merci, je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. C'est lui qui nous protège sur le champ de mission. Je dis merci. Merci au Sauveur. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Je dis merci, merci à Jésus. Je dis merci, merci au Sauveur. Yeah, man.
tout mon nom, pasteur Meunier, Otiye Baba. Et tignan mien yvle, yvle, tignan mien yvle. Et tignan mien yvle, yvle, tignan mien yvle. Otiye mami, tignan mien yvle, yvle, tignan mien yvle. 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 C'est mon mignon, corogo, corogo,
yamba me sonyo eti nyamie ivle ivle ti nyamie ivle eti nyamie ivle ivle ti nyamie ivle eti nyamie ivle ivle ti nyamie ivle c'est mon miju San Pedro lo mi nyamame solo.